Mon nom est Click, Docteur Click. Moshi Moshi Tokyo. Le bateau semble un tantinet rigide. Allez dire ça au Covenant. Salut les amis, c'est Joe Hazard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo démo découverte. Et cette fois-ci, ça fait longtemps, donc ça sera sur Xbox One. Et on va découvrir ensemble donc la démo de Forza Motorsport 7. Donc je dois vous avouer, j'ai fait une petite partie juste avant pour voir ce que la démo proposait. Et donc on va tester ça ensemble. Je vais le tester donc ici à la manette et non pas avec le volant. Avec le volant, j'aimerais bien vous proposer des vidéos de gameplay sur notamment sur Forza 6, sur Forza Horizon 3 que je n'ai toujours pas commencé, honte à moi. Mais le souci c'est que pour filmer donc le volant, ben, je dois le faire avec le smartphone, donc je dois pas faire des parties encore trop longues parce que bon, j'ai pas de la place infinie non plus dans le smartphone. Et après c'est un petit peu de chipotage quand même pour synchroniser donc la partie du gameplay et la partie où on voit que je conduis. Mais bon, j'essaierai de faire ça prochainement quand j'aurai un peu plus le temps, parce que je vous avoue que ça me manque quand même de jouer avec le volant. Voilà, voilà. Donc ici je vous laisse un peu la petite cinématique, franchement, qui est magnifique. C'est bluffant, c'est superbe. Toutes ces petites gouttes d'eau là sur la carrosserie, c'est beautiful. Regardez-moi ça, ce véhicule là. Vraiment très bien fait, les véhicules sont vraiment très bien modélisés, franchement une tuerie. Les Forza ne cessent de s'améliorer d'année en année, enfin de tous les deux ans, parce que bon, donc le Forza Motorsport sort tous les deux ans, et donc enfin un an sur deux il y a un Forza Motorsport, et l'autre année sur deux c'est les Forza Horizon. Voilà, donc je vais commencer. Ah ben ça fait un moment que je n'ai plus joué sur Xbox One, ni sur la Xbox 360. J'étais très souvent sur la PlayStation 4 ces derniers temps. Donc, option. Ouais, ça, on va rien changer. Hop, passer à la course. Et alors on nous propose trois types de courses différentes. Donc la première avec la Porsche 911 GT2 RS. Le deuxième type de course avec des camions, donc avec la Mercedes-Benz. Et le troisième avec la Nissan GTR. Ah ouais, donc c'est sur le Nürburgring qui bravait la tempête, donc avec la pluie. Donc on va commencer par le commencement. On va faire d'abord la première course, donc affronter la fournaise de Dubaï pour votre premier tour de roue exclusif au volant de la Porsche 911 GT2 RS. Donc ce qui est bien avec cet épisode, c'est qu'on a droit à des avatars, enfin des drivatars on va dire. Je sais pas si on les gagne au fur et à mesure ou si c'est selon le type de course. Mais franchement c'est assez sympa. Donc je vais vous montrer ici, donc il y a le policier à moto. Un peu à la chips, mais façon maigrichonne. Fan de 50s, excellent aussi. Ça fait plus penser quand même à un motard. Hein.
Équipe Forza vert citron, franchement, elle est magnifique cette tenue. Michael Müller. Dubaï. Prorata blanc. Et course vintage. Yop, donc on va prendre celui que j'aime bien, l'équipe Forza en vert citron. Changer de genre, c'est quoi? Ah ouais, homme et femme. Ben, on va garder une femme, tiens. Yop, j'avais pas remarqué qu'on savait changer de... Alors, aide au pilotage personnalisé, trajectoire suggérée, ah ben, il a gardé ce que j'avais mis en option, freinage seulement, ABS actif, direction normale, on va laisser comme ça alors. Difficulté drive avatar, niveau de pilotage moyen ou débutant, on va laisser moyen. Hop. Regardez-moi ça ici déjà, c'est super magnifique franchement. On va démarrer. Allez, on va essayer de pas trop être mauvais. Je suis pas vraiment face à l'écran parce que je disais que je n'étais pas face à l'écran et ça se voit. Bon, on va rebobiner parce que là c'est catastrophique. Je vais essayer de me bouger un peu, mais avec le casque pour moi vous parler. Alors oui, j'ai rappuyé une fois de trop là, c'est bon. Avec le casque je suis limité en longueur, donc là je l'ai échappé belle. J'aurais dû bouger, faire pivoter un peu l'écran. En tout cas, au niveau décor, c'est magnifique, c'est waouh. Combien, 4e sur 24, ça va. Il y a moyen de remonter sur le podium au moins. Ils sont pas trop loin. Ici j'adore les trucs qui pètent, c'est excellent franchement, c'est que ça soit visuel ou sonore, c'est magnifique. C'est bon, arrête de regarder les décors Joe. Concentre-toi sur la course, on doit finir dernier. Oh, c'est catastrophe. Franchement, je jouais mieux tantôt, mais si vous me verriez comment je suis mis par rapport à l'écran, comprendriez, c'est atroce. Putain, on est passé à 9e place.
Allez, encore un tour après. Un peu de forcing. Ça va être chaud, boulette pour la troisième place pour le podium. Ouais, grosse. Allez, hop, 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 pam, hop, hop, pam, pam. Génération bonbon. Par contre, les nuages dans le fond, quand tu regardes bien, c'est pas très bien fait. Mais arrêtons de regarder les nuages. Sinon, perdant, on fait lombarder. Oh, excellent, hein, cette petite tempête de poussière, la fin de sable. Elle est phare, hein, il est phare là-dedans. Je crois que le casse là, je me rends compte du... Le bruit dans le tunnel, c'est excellent. Bon ben, on est quatrième. Malheureusement. Mais bon, vous aurez pu vous rendre compte un peu... des magnifiques graphismes du jeu. Yop. Donc il a été élu meilleur jeu de course E-Cube et Gamescom 2017. Plongé dans le jeu Forza Motorsport le plus complet et le plus blablabla de tous les temps. Centaines de combinaisons différentes, c'est pas mal. Plus de 700 voitures, waouh. Bon là ça nous propose d'acheter, enfin de précommander. On va tout de suite aller essayer les camions. Yep. Ici on a des tenues différentes, équipe de stand, nickel chrome, équipe Forza Rose. Grand Tourisme, Autodromo International del Mugello, Prorata Noir et Course Vintage Blanc. Ah ben voilà, on va prendre ça. Hein. Et là. Yop, donc on va aller courir. Donc deux tours, soleil, temps ensoleillé.
Le chargement. Voilà. Piste Fana du circuit. Et c'est parti. Moi qui étais fan quand j'étais petit, je rêvais d'avoir un circuit là, les petits circuits de course, les TCR, mais la version avec les camions. Je ne l'ai jamais eu d'ailleurs. Et quand je vois des jeux avec des courses de camions, franchement c'est excellent. Ce serait bien qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est rare. Je pense qu'il y en a un ou deux, hein, sur un certain, sur PlayStation 2, un jeu de course de camions. Et je me demande s'il n'y en a pas un sur Wii également. Mais sinon c'est assez rare ce style de jeu, les courses rien que de camions. Oh là là. Allez, allez, on se concentre un peu. Putain, on le sent quand ils nous rentrent dedans, hein, nom de Dieu. Celui-là, il y a certainement un rétro en moins. Allez, 7ème sur 24. 24 camions. Celui-ci, il nous vient tout droit de chez Nintendo. La version Splatoon. Ralentir un peu plus là, j'ai perdu de la vitesse du coup, j'ai dû freiner trop sec. Putain, quel salaud. Passer. Ah, je regarde la quatrième place. Allez, on croise les orteils chevelus. Et on passe à la première place, et il nous reste encore un tour, donc on va devoir assurer. Regardez-moi ça, sur le petit écran là. Enfin, écran rétroviseur, non c'est un écran, c'est pas ça, un rétro à l'intérieur. J'ai jamais été dans un camion, il faut dire, mais bon. Donc c'est un écran de recul à mon avis. C'est franchement, c'est magnifique, c'est super bien fait. J'ai hâte qu'il sorte, même si je ne l'achèterai pas, parce que je ne saurais pas à mon avis. Mais j'ai hâte qu'il sorte. Il a l'air qu'on a quand même... Ah ouais, on a une belle petite avance là, waouh. Allez, normalement, si on fait pas d'erreur, c'est tout bon.
Enfin, ils sont tous à la queue l'un l'autre là. Et voilà. Ah bah là, au moins, on a assuré. Avec le caméraman qui était tout figé. Yep. Ça, on le sait, avec tous les prix. Yep. Et on va tester la dernière course avec la Nissan. Sous la pluie. Waouh, ça va arracher. Bon là, à mon avis, je serai certainement pas premier. Depuis le temps que j'ai pu jouer sur un Forza. Ouais, donc ici, ouais, c'est encore des autres tenues. Astronaute moderne. Tchou. Authenticité, équipe Forza bleu canard. C'est le bleu col vert. Ukyo Takagi, Nürburgring et Prorata Rose. Ah, il est joli aussi le Prorata Rose, c'est classe. Et hop, avec des petits nichons. On va prendre comme ça, allez hop, soyons fous. Voilà, voilà. Donc je fais cette vidéo juste après le petit live que j'ai suivi donc de mon ami Koyu qui a joué donc au Mario avec les lapins crétins sur la Switch. Franchement, c'était un très très chouette jeu, bien frais, bien fun, très coloré. Allez, sur le Nürburgring. Putain, deux tours complets. Ah mais non, c'est la version courte, j'allais dire. Wow. Oh, sous la pluie, Nürburgring, ça va décoiffer. Bon bah on va laisser la vue interne, vu qu'ils ont décidé de nous mettre la vue interne. On va pas commencer à chipoter au bouton pour trouver... Ouch, trouver la vue externe. En même temps, ça nous met mieux dans l'action. Oh purée, là, c'est... C'est dingue. Allez hop, ça commence à tomber. On n'est pas dépaysé avec la pluie. Oh là 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 là. C'est ta foutu, Joe. Septième, allez, ça va. J'ai de voiture, on fonce. On est fou de vitesse. Très bon jeu de voiture. On est fou de vitesse sur la pluie. Et qui sont tout mouillés. Franchement, super bien fait. On ressent bien là le temps de canard bien belge. Hop 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 hop. Là, c'est bien rattrapé, Joe. Wow, les éclairs. Alors, on était passé quatrième, on est encore au premier tour, on arrive au deuxième tour, les amis.
on va pouvoir peut-être, je dis bien, avoir une chance de finir sur le podium. Oh, dans le cululu. Franchement, c'est super bien fait, les éclairs là, wow. Je suis bluffé, puissance 200 au carré. J'aurais dû mettre mon kawé quand même parce que là, ah non, ça va, ça se calme. Un peu de kawé, comme disait Koyu, c'est pas évident qu'il faut regarder à droite et à gauche. Magnifique, franchement. Wow, 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 calmos, calmos. Ça va, on a un petit peu d'avance, regardez-moi. Son soleil qui arrive là, waouh, c'est magnifique. Regardez-moi ce passage ici, le reflet de l'eau sur le bitume, c'est waouh, c'est magnifique, mon chéri. Yep. minutes, est-ce qu'on se refait la première course pour essayer d'avoir une meilleure place ou bon, allez, on va se la refaire. J'espère qu'ils vont nous sortir une jolie édition Steelbook. Et hop, donc on va réessayer celle-ci. Yep. Allez, allez. Il est magnifique, franchement le jeu est magnifique.
même agressif. Hein. Là c'est la merde. J'ai foiré, j'ai voulu aller trop vite et je me suis tollé lamentablement. Regardez-moi ça, cet hélico là. Joe, c'est pas Need for Speed, c'est Forza. Arrête. Par le pouvoir du pouce chevelu qui sommeille en moi. Concentre-toi. Je pensais que j'allais me prendre ce bazar méchamment là. Ça va, c'était pas des pneus collés au super glu. Oh. Eh ben je pense que je ferais pas mieux. Hein. Malheureusement j'aurais pu. Avec un peu plus de concentration. T'en faire mieux, troisième, ce serait déjà bien. Et ouais, troisième. J'aurais pu être quand même premier, j'aurais voulu, j'aurais moins fait le fanjo. Mais bon, voilà, on a sauvé la meuble, on est sur le podium.
Par contre, je ne répéterai jamais assez, les nuages dans le fond, ils sont moches. Quand on les regarde bien. Voilà, voilà les amis, donc on va arrêter là pour cette vidéo démo découverte donc de Forza Motorsport 7 sur Xbox One. Ben, j'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas moi j'y ai pris du plaisir à y jouer. Franchement, je suis très content de me remettre un peu sur cette licence que j'adore, les Forza. Et j'ai hâte de m'y remettre, à continuer un peu sur le 6 et de découvrir enfin le Forza Horizon 3 que je n'ai toujours pas testé, honte à moi. Je ne répéterai jamais assez et qui doit être magnifique parce que j'en avais quand même vu quelques petites vidéos. Et j'ai hâte de m'y remettre. D'ailleurs, je vous en ferai un de ces quatre, une vidéo découverte, même si ça fait longtemps qu'il est sorti, quoi. Ouais, quasiment un an. Mais bon, voilà, mieux vaut tard que jamais. Voilà, voilà. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, les amis. En tout cas, moi, je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, commenter, partager, mais surtout commenter. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos, de prochains lives. Portez-vous bien, jouez bien. Ciao, ciao!